Je sais pas si c'est une punchline, mais j'aime bien dire c'est Alonso, je suis en 2054, papé. Voilà. Elle est toute récente et je trouve que ça va devenir un classique, c'est la RSX de Puma. Mon plat classique, pâte steak haché. Pâte au beurre steak haché, c'est la folie avec un peu de râpé. Ma série classique, oh, on va dire Game of Thrones, quand même, c'est la meilleure série de tous les temps, même s'il y en a beaucoup d'autres. Ouais, c'est pas pareil avec meilleur album de tous les temps. Album classique, moi je dirais Carter 3, je crois, où il y a Lollipop, c'est quoi, c'est le 3 si je dis pas de bêtises, hein. T'es mort. Training Day, parce que Denzel Washington, c'est mon acteur préféré, et à l'intérieur il s'appelle Alonso, et sa femme à l'intérieur c'est Eva Mendes. Ça fait beaucoup. Je suis un artiste, je travaille trop, ou sinon je vais faire des photos quand on sort, laisse tomber, voilà quoi. Netflix, et quand je fais des crises de sucre, vu que je suis au régime, un Mars glacé. Je dirais Dragon Ball Z, hein, pour moi, c'est comme je te l'ai dit, hein, ça a marqué toutes les générations. Jusqu'à maintenant, il y a des phases, des punchlines, hein, même les rappeurs de la nouvelle génération, ils parlent encore de DBZ, wesh. C'est OM Paris. Je vais parler pour les anciens, hein. C'est une vieille voiture, mais quand j'étais jeune, de la voir, franchement, c'était un truc de fou. C'était la 306, mais avec le pack Eden Park. Ils avaient fait une collab avec la marque Eden Park et l'intérieur cuir avec les appuis-têtes en forme de ballon de rugby, c'était incroyable. Tu es connecté sur Move.